tout premier vlog. Je pars toujours en vacances fin août, début septembre parce que y a moins de touristes. Les vols et les hôtels sont moins chers et il fait encore super beau. Et je suis actuellement à Marrakech avec ma meilleure amie. On fait un petit séjour entre filles. Et je me suis dit que c'est l'idéal pour vous emmener avec moi à travers ce vlog. Voilà, donc là on vient de sortir de l'hôtel. En fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé 11h30. Et on est resté à l'hôtel, on a chillé au bord de la piscine, sur les transats. Ensuite, on est monté, on a fait une sieste. Jusqu'à 18h30, on était vraiment fatigués. Et là, on est en route pour aller dîner. Programme de la journée, on va visiter le jardin Majorel, ensuite le musée Yves Saint Laurent. Et en fait, je suis déjà venue plusieurs fois à Marrakech, mais samedi non. Du coup, c'est top pour elle parce que comme ça, je peux lui montrer tous les endroits vu que je connais déjà un peu la ville. Et voilà. Oh là là, on vient de se poser, on n'en peut plus. On est crevé. Là, on vient de finir les trois visites, le musée Yves Saint Laurent, le musée Berbère et le jardin Majorel. Et là, on a faim, on est fatigué. Du coup, là, on va sortir et puis on va aller se trouver un resto. On a envie de manger une tagine marocaine typique. Du coup, on va essayer de trouver ça. Dans le taxi, on est en direction de l'Akatobia. Aujourd'hui, on va visiter la plage Emajna, l'Akatobia. On va aller au souk aussi, faire le shopping. Du coup, là, on est dans le taxi en direction de l'Akatobia. Allah.
Olé. Alors Sandy, dis-nous, qu'est-ce que t'as pris aujourd'hui? Tagine, kefta aux œufs. T'aimes? Bon, hein, j'adore. C'est quoi ton plat préféré marocain jusqu'à présent? Le tagine. Ouais. Et moi, j'ai pris le poulet au citron confit et aux olives. C'est une tuerie. C'est juste dingue. Avec la petite semoule à côté. Et toujours notre bouteille d'eau pour nous hydrater parce qu'il fait une chaleur de dingue. Et voilà. Bon appétit. Il a commencé à pleuvoir, du coup on va les réfugier dans le sud couvert. Alors, on vient d'arriver à l'hôtel, on s'est commandé un KFC. Oh, il est énorme. En fait, on a commandé pour combien de personnes, Sandy? 5. Non. 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 9. C'était pour 9 personnes, je crois. Non, il y avait 3 ou 5. Non, il y avait 3 ou 5, on a pris pour 5. Il y a 15 poulets, les frites, le pain, il y a 5 pains et 2 litres de Pepsi. On a trop craqué, je sais pas comment on va faire pour finir tout ça. Le passage piéton, elle n'ose pas traverser parce que les voitures ici, non, ils sont tarés. Ils roulent à 100 à l'heure et ils s'arrêtent pas. Hein. Quand hier soir, on a fait un truc de malade. Elle va jamais traverser. Maintenant! Après la Mercedes! Vas-y, cours! Dépêche-toi! On vient de sortir de l'hôtel, on est en direction du centre commercial qui s'appelle Menara Mall. On va voir un peu quels sont les magasins qu'il y a et puis on y va surtout pour faire des petites courses pour la chambre d'hôtel. On va s'acheter des bouteilles d'eau et plein de choses à grignoter. Et voilà, on se retrouve là-bas.
Merci. Sandy, elle vient de casser son sac. Montre. Il était tout nouveau. Hein. On est au Starbucks, là, on fait une petite pause. En fait, on est en train d'attendre, on a rendez-vous pour aller se faire une pédicure et une manicure. Et regardez, ils ont écrit nos noms en arabe, c'est trop beau. Du coup, c'est Mariella et Sandy. Voilà, alors là on vient de sortir de l'hôtel, il fait tellement chaud. On est actuellement dans le taxi, on est en direction du Palais Baïa. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer nos visites. Je pense qu'on aura tout fini aujourd'hui, puis comme ça après on pourra vraiment chiller et puis faire profiter de la piscine à l'hôtel, etc. Et puis voilà. Non mais on va aller le matin parce qu'il fait tellement matin, chaud là. On va aller un matin. On va regarder, peut-être qu'on fait ça après demain. Bon, ça fait il est à 2000, il est bon prix. Demi-tarif. C'est quoi le demi-tarif? 100 dirhams aller-retour. 100 dirhams, non. C'est juste à côté. Hein. Ouais, c'est gros prix, hein. C'est gros prix. Là, c'est le prix plein tarif. Ça. Oula, on va se chercher dessus.
On vient de finir les trois visites, le musée Yves Saint-Laurent, le musée berbère et c'était quoi Sandy ? Ah bah, le jardin Majorel. Mais je suis débile parce que je suis. Alors t'en as pensé quoi Sandy du jardin ? Mais attends, faut que je prenne mon texte, je sais même pas ce que j'en ai. Y'a pas de texte, tu te. Voilà, alors là on vient de sortir de l'hôtel. On s'est préparé super vite. Mais non, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Moi, c'est mes premières apparitions, hein. Sandy. Dans les médias. Non, mais tu vois. Vas-y. Non, mais là, c'est t'as remarqué à. Juste une vidéo. Ah, c'est une vidéo. Je t'aime trop. Mmh.